vient de finir le montage du vlog que vous avez vu sur mon opération, donc dimanche dernier. Là aujourd'hui je vais vous filmer du coup un wiki vlog pour cette semaine de convalescence. J'ai un peu du mal à être en arrêt maladie, j'aime pas ne rien faire de mes journées de base, et d'autant plus en arrêt maladie. C'est fait pour se reposer, mais j'ai besoin de faire des activités dans la journée, au moins une, pour pouvoir me sentir bien dans ma tête. Du coup il est 14h19, j'ai fait du coup ce matin mon petit café latte avec les glaçons de café, c'est vraiment très bien. J'ai pris mon repas, c'est du coup un kiri et une compote. J'ai très faim, ça qui est le plus dur en fait dans la convalescence je trouve, c'est la faim et je peux pas manger tout ce que je veux. Là mes repas c'était autour de kiri, de compote, de soupe, et j'ai réussi à manger quelques pâtes la dernière fois, mais ce qui fait le plus mal c'est pas tant avaler, c'est plus la langue qui est encore un peu paralysée ou tirée, je sais pas, j'ai du mal à parler déjà, ça, je pense que ça s'entend. Ma langue simplement ne bouge pas, je peux pas tirer la langue, je peux pas faire des mouvements avec ma langue. Donc il y a des certaines lettres que je peux pas prononcer, et il y a des aliments que j'ai du mal à mâcher parce que ma langue ne veut pas. Je vous emmène avec moi prendre quelques petits moments où je suis assez opérationnelle et pas dans mon lit en train de dormir. J'ai fait mes ongles hier, enfin j'ai fait mes ongles, j'ai fait le remplissage de mes ongles. J'ai notamment enlevé le gel qu'il y avait là, enfin les extensions etc, c'était pas très beau. Et du coup j'ai mes ongles naturels juste là, et j'ai mis juste du gel pour que ça soit un peu plus dur, que ça se durcisse parce que mes ongles ils cassent beaucoup. Donc je suis très contente de ça. Aujourd'hui je devais recevoir mon vernis à ongles que j'ai commandé sur The Braderie. Donc j'espère qu'il va arriver aujourd'hui parce que c'est un petit nude et j'aimerais bien mettre du nude là pour maintenant et mettre un petit peu de chrome au dessus. Donc j'espère que ça va arriver aujourd'hui, sinon bah j'attendrai demain et je le ferai demain. Mais c'est plutôt joli, je trouve ça change, c'est un peu plus naturel. Mais j'ai oublié de faire ma petite skincare ce matin. Bon, il est jamais trop tard pour la faire, donc on va faire ça. Et puis il faut que je lime un petit peu mieux mes ongles parce que hier je l'ai fait, mais j'avais un peu la tête dans le coulard. Il y a des trucs que j'ai pas bien fait. Donc petit skincare, mes petits ongles, et j'ai aussi reçu un super colis. Je suis vraiment contente parce que bah, mon copain il a fait tout le ménage de l'appartement. J'ai creusé des lunettes. J'ai fait un petit peu de ménage pour essayer d'aider et de pas me sentir inutile. Il a fait quasiment tout, donc je suis contente de l'appartement et du propre pour cette semaine. Je peux pas trop tourner la tête, c'est horrible. Donc on va juste se faire une petite skincare, se nettoyer le visage, pour mettre une petite lotion. Donc j'ai fini la lotion de chez Yves Rocher, donc je vais prendre celle-là que j'avais déjà entamée il y a longtemps. De chez Sephora, s'il y a un truc anti imperfection, ça permet de nettoyer un maximum la peau. Et ensuite on va se mettre bah, les petits sérums que je vous avais déjà montré dans des night routine et morning routine. Ah, le night routine il est dur à dire. Donc de l'acide hyaluronique qui vient de chez Typologie, c'est vraiment pas mal je trouve. Il faut bien attendre que ça pénètre et que ça sèche avant de mettre sa crème hydratante. Donc soit je mets ça comme crème hydratante, je pense que je vais mettre ça, soit je mets ma crème solaire. Comme je ne sors pas de chez moi, je peux pas trop sortir encore, je me sens pas assez forte, et bien je mets cette petite crème, voilà, qui hydrate plutôt bien et on se sent beaucoup mieux. Enfin je sais pas vous, mais dès que je fais ma skincare, moi je me sens beaucoup beaucoup mieux. Et je sais pas si vous avez vu dans ma vidéo l'état de mes lèvres, je crois que je l'ai pas trop montré parce que c'était pas très beau. À cet endroit là ma lèvre était gonflée, mais surtout là ça faisait vous savez la coupure là, horrible, dégueulasse. Et en l'espace de 2 jours, je crois, j'avais plus rien. Enfin, vraiment, c'était quasiment parti grâce au baume de chez Océan, qui est une pépite. Donc, je vais en mettre un petit peu. Mais l'état de mes lèvres, c'est beaucoup, beaucoup mieux arrangé, quoi. Donc, je suis très contente. Je mets mes lunettes parce que sinon, j'ai un peu mal au crâne. Je sais pas pourquoi j'ai mal au crâne. Au début, je pensais que c'était les effets de l'anesthésie, mais quand même, ça fait longtemps. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout laissé en plan. J'ai essayé l'embout que j'ai acheté sur Shein. En céramique, je sais pas si vous voyez. Franchement, c'est génial. Mon vernis est parti en 2 secondes et demie, donc très contente. Donc je vais relimer un petit peu. Cette semaine ne sera pas incroyable, hein, je pense, mais bon, pour moi, ça fait un petit vlog à la maison tranquille. Mais je suis contente de ce que j'avais acheté sur Ongle 24, le petit gel vernis pour faire la construction. Bah franchement c'est génial, je regrette pas du tout mon achat, je pense que je vais en acheter en différentes couleurs, mais à chaque fois c'est en rupture de stock. Parce que ça m'a littéralement pris 5 minutes à faire. Et encore plus sur les zones naturelles, c'était encore plus rapide, donc ça vraiment très très bien. J'espère que vous m'entendez bien, j'hésite à mettre un micro à chaque fois parce que je sens que je parle très très pas fort. J'essaierai au montage d'augmenter le son, mais je suis vraiment désolée d'avance. Et voilà, vous verrez pas de différence, mais du coup c'est beaucoup mieux. C'est plus arrondi et j'ai bien poli aussi mes ongles naturels pour pas que ça griffe. J'ai un peu une pointe au cœur depuis, je pense, hier soir. Ça ne veut pas passer. Ça me fait super mal, ça m'oppresse la poitrine. Donc j'espère que ça va passer. Et sinon, le fameux colis que j'attendais énormément. Enfin bon, c'est pas pour maintenant. Mais du coup, j'ai acheté le calendrier de l'Avent Sephora. Je suis tellement contente. Du coup, le voilà. J'aime beaucoup trop.
Genre c'est assez joli, derrière vous avez tous les produits. Donc je connais déjà ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai vu les unboxings. Moi je suis le genre de personne qui regarde les unboxings, qui achète. Et après au mois de décembre j'oublie totalement ce qu'il y a dans le colis. Si je l'ai acheté c'est que c'était des bons produits. Et il y a tous les produits que je voulais acheter, que je voulais tester, tout ce que je voulais. Donc je suis très contente. Ce calendrier de l'Avent qui est assez cher je trouve, il va coûter 155€. Après pour les autres calendriers de l'Avent je sais pas quoi prendre d'autre. J'aimerais bien prendre celui de Rituel parce que vraiment leurs produits sont vraiment bien. Quand je pars en vacances je prends tout le temps leurs produits. Au début je voulais aussi Yepoda parce que c'est une marque que je ne connais pas, j'aimerais bien tester. Pas que ça vaille le coup, sachant que sur The Braderie il y a toujours des bonnes promotions. Je me dis autant acheter sur The Braderie. Après il y a celui de YesStyle, j'ai pas vu encore l'unboxing. Mais j'ai hâte de le voir pour voir parce qu'il est hyper compliqué à avoir le YesStyle. C'est un peu un enfer donc j'aimerais bien voir ce qu'il y a de bien à l'intérieur parce que c'est que des full size et c'est un calendrier de l'Avent qui est très rentable et vraiment très bien si vous aimez les produits coréens. Tout après j'aimerais bien acheter un calendrier de l'Avent pour les chats, puis avoir des petites gourmandises. Donc m'avait conseillé beaucoup de marques. Donc mon copain a pris aussi une journée de congé le vendredi pour pouvoir être avec moi. Il a pris beaucoup de jours de congé hein, pour pouvoir s'occuper de moi un maximum parce qu'il n'est pas sur Paris comme je vous l'avais déjà dit. Et j'ai commandé beaucoup de choses sur The Braderie. J'ai commandé un dessous. J'ai commandé aussi des draps. J'ai toujours mon code de parrainage si ça vous intéresse. Je crois que vous avez 20€ ou 15€, des 50€ sur le site avec mon code ElisaBRTOF, je crois. En tout cas, c'est en barre d'information. N'hésitez pas à regarder. Des ventes privées en fait. Et on a acheté beaucoup de choses. On a aussi acheté des choses sur Mango. Il y avait une très bonne vente privée sur Mango. Que j'ai pris deux pantalons pour mon copain. Et vous savez, le plus drôle, c'est que j'avais acheté 40 glaces comme ça, Oasis, et j'ai pas pu les manger parce que ma bouche ne s'ouvre pas assez pour prendre la glace et je peux pas la lécher parce que ma langue ne sort pas de ma bouche. Donc c'est un peu galère de manger ça, donc je vais essayer aujourd'hui en espérant que ça marche. Et j'ai fait une erreur horrible, c'est que j'ai regardé ma gorge. Ça me dégoûte, c'est dégueulasse. Mais j'ai toujours peur que ça s'infecte ou je sais pas, qu'il y a un truc qui marche pas. Donc je vais espérer pouvoir manger ma glace. Non mais regardez-les. Les princes. J'ai créé un petit endroit pour les chats. Je sais pas si vous l'avez montré. Donc juste au niveau du canapé. J'ai mis des plaidades, donc Prince il va souvent ici, et Rose il se met souvent là. Genre comme ça il est au calme, tranquillement, voilà. Alors de base il aime pas trop se mettre sur des plaids, genre il préfère plus être au sol. Mais là bah du coup ça lui fait un petit endroit pour lui quoi, dans mon amour. Il est si bien ici, il est tranquille, personne ne le dérange sauf moi. Donc il est 16h, j'ai fait 2-3 mails parce qu'il fallait que je réponde à des mails et j'ai pris mon médicament pour la douleur. Et j'ai un peu mangé aussi parce que mon ventre a commencé à réclamer. Donc je sais pas si ce soir je me fais de la purée ou si je finis la soupe. Mais je pense qu'il serait temps de finir la soupe parce que ça fait 3 jours que j'ai ouverte. Du coup je pense qu'il faudrait peut-être que je la mange, sachant que je pense que je l'ai terminée ce soir. Et Rose est en train de se réveiller. Oui mon cœur. Regardez-le. Ah ouais, je te fais chier. A chaque fois qu'on le touche quand il dort, il râle, genre il gueule. Bébé. Donc je viens de passer une commande. Ça qui est chiant, c'est que dès que je suis en arrêt et que je me fais chier, bah je dépense de l'argent, c'est chiant. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour mes ongles. Du coup, je t'ai même pas touché, arrête. Ah mais regarde, t'es si beau mon fils. T'es si beau, oui. Donc en gros, j'ai pris en nude, rose, et l'autre en vanilla pour avoir vraiment directement la couleur sur les ongles au lieu de repasser avec du vernis. Et j'ai pris un top coat en gros, parce que j'en avais plus. Enfin, le mien il est un peu HS. J'ai pris du coup 3 autres vernis. Donc pour cet automne, le gel polish Merlin, Adèle et Flower, Sakura Flower. Les autres, j'ai pris ça. Donc je pensais que ça c'était la même chose que ça. Donc j'espère que c'est la même chose. Il y a du coup mes parents qui sont là, donc mon père et ma belle-mère, qui sont chez ma soeur. Parce qu'ils ont des rendez-vous médicaux demain, qui m'ont proposé de venir me chercher pour manger de la purée. Ma soeur m'a dit je te fais de la purée avec de la viande, faut que tu manges parce que des compotes ça va pas le faire. Et je sens bien que ça va pas le faire, genre c'est pas assez nutritif pour moi. Je vais aller manger chez ma soeur, je vais prendre aussi ma soupe comme ça me fera double repas. Et ils me ramèneront en voiture parce que je me sens pas de prendre les transports ni prendre ma voiture à moi. Je fais beaucoup de mini malaises, je pense que j'en fais au moins 3 ou 4 par jour de malaise. C'est vraiment des tout petits malaises, ça prend genre 5 minutes et après ça va. Donc je vais aller me laver un petit coup parce que là je suis en pyjama etc, donc c'est pas top. Plan, mon père ne vient pas me chercher, je dois y aller en transport. Donc je vais prendre du sucre avec moi parce que si je fais un malaise il me faut du sucre. Vraiment il n'y a que le sucre qui peut me permettre de me rétablir, donc faut pas que je prenne du sucre. Let's go, on va y aller. Enfin, je vais me préparer. Je sais pas si c'est sur le dernier café. Tu veux un peu d'épices dedans? Non, on évite tout ce qui peut piquer. Moi, je veux manger ça. Comme ça donne pas envie. Hein. Ceux qui ont pas dedans. Ça peut marcher, hein. Ça sent bon en plus.
Bon, par contre, la texture, c'est pas très beau comme couleur, mais... Je ferme les yeux, t'inquiète. Nous sommes le lendemain, il est un peu plus de 11h, j'ai traîné un petit peu au lit ce matin, je me suis reposée un petit peu parce que j'avais un peu mal le matin. En fait, le matin, ça fait beaucoup plus mal, parce qu'on est plus sous codéine, donc j'ai pas pu reprendre cette nuit. Aïe, ça fait mal. Et du coup, c'était super bien hier, j'ai vu ma soeur, mon père, ma belle-mère et ma petite nièce. Et du coup, ma soeur m'a fait de la purée avec de la viande hachée pour essayer de... pas avoir trop faim, parce que c'est ça qui me gêne le plus, c'est que j'ai énormément faim. Donc là j'ai pas pris de petit déjeuner, donc on va faire ça. Donc pour le petit déjeuner, ce que je peux faire le matin, c'est prendre des petits suisses. C'est hyper protéiné ça, et du coup j'en prends deux. Je mets une blinde de sucre. Je vais mettre de la confiture si j'y arrive à me bouffer ça. J'ai fait de la confiture de Mirabelle, je vous l'avais montré dans une de mes vidéos. Je suis trop fière de moi. Donc il y a des petits morceaux, donc je vais essayer d'en mettre juste un tout petit peu. Mais du coup, à force de prendre des médicaments, je n'ai plus de verre. Donc, je vais prendre des mini tasses à café. Donc je dois prendre un cachet comme ça et deux cachets comme ça. Donc au début, c'était vraiment dur d'avaler les cachets, mais au fur et à mesure, bah, on n'a pas trop le choix. Donc pour pouvoir avaler les cachets, vu que je peux pas les prendre comme la codéine là, dans l'eau, que ça n'existe pas, sans pénicilline. C'est vraiment l'inconvénient quand t'es allergique à la pénicilline, tu te tapes des médicaments qui sont assez difficiles à avaler. Bon là ça va, c'est des tout petits, mais je me souviens que j'avais des antibiotiques comme ça. Mais mon chat, hyper mal à gauche, je sais pas pourquoi. C'est dégueulasse. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner et je vais faire du montage un petit peu. Parce que là, je peux plus parler, j'ai un peu trop mal. Il y a mes parents qui viennent aujourd'hui chez moi, passer un petit peu de temps pour rencontrer un petit peu Eros. Donc j'aurai un petit peu de la visite aujourd'hui. Bon, du coup, j'ai mis Gossip Girl dans le fond et je vais faire mes ongles parce que bah, le truc de manucuriste, il va pas arriver avant longtemps. Ce sera beaucoup plus propre. Donc je vais faire juste un petit nude. Je pense que j'en avais acheté un comme ça là et mettre des petites paillettes par-dessus. Du coup, là, c'est la première couche de nude. Donc je vais. Je vais remettre une autre couche et ensuite je vais mettre les petits chromes pour voir ce que ça donne, si ça fait joli ou pas. Vous allez voir, j'ai fait un effet bleu, j'ai fait un effet blanc et j'ai fait un effet rose. Je sais pas si ça se voit bien. Je sais pas lequel je préfère. Ah ouais, celui-là il est trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir, mais celui-là il est canon. Je pense que je vais mettre celui-là. J'ai acheté sur Shein. Parce que vraiment l'unité, quand j'avais acheté ça sur... je vais le tester, tiens. Il y a à peine 2 petits grammes. Donc je pense que c'est mieux au niveau de la qualité, hein, j'espère. Mais c'est tellement cher. Bah, vous savez quoi, je préfère largement ce Shein parce que là, je sais pas si vous verrez, mais il y a plein de petites paillettes. Alors que l'autre, c'est beaucoup plus fondu. Là, je vais dégraisser mes ongles, mais ça fait trop joli, je trouve. C'est super sympa, c'est assez léger, c'est pas trop. Et ça, en salon de manucure, c'est genre 15 euros en plus pour avoir ça. Je sais pas si vous les verrez bien, mais du coup, je le fais partout. C'est trop joli, c'est assez nude et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis de l'huile pour les cuticules. On voit pas trop à la caméra les reflets, mais c'est plutôt joli. Il y a quelques petits défauts, hein, comme vous pouvez le voir, je suis pas une professionnelle. Mais je trouve ça hyper joli, hyper naturel. Donc là, mes parents, ils viennent de partir, sauf qu'à chaque fois qu'ils viennent, ils gardent leurs chaussures. Donc à chaque fois qu'ils partent, bah, je suis obligée de passer Jouzette. Et je mets ça, Ajax, pour cleaner, etc., le sol, parce qu'on peut pas mettre de produit dans le bac. Donc je mets du produit un peu sur le sol, et comme ça, ça permet de nettoyer au mieux. Ils ont rencontré le petit énergumène, là, le petit Eros, parce qu'ils ne l'avaient pas vu. Et ils avaient ramené le chien, du coup, Eros n'était pas très content. Il s'est dit, mais c'est quoi ce truc-là? Genre, c'est quoi ce gros chien là qui arrive comme ça chez moi, hein? Il était pas content. Ils l'ont trouvé très beau, le poil est super doux. À chaque fois qu'on caresse Eros, on se dit mais waouh, ce poil de bébé tout doux. Vraiment, il est incroyable ce poil. Donc, j'espère qu'il le gardera parce que vraiment c'est incroyable, hein, mon fils. Donc là, il est 18h et je vois que j'ai vraiment une sale gueule. J'ai très mal à la gorge, enfin au niveau de la langue. J'ai envie de me faire une petite skincare et après me laver les cheveux, tout ça, parce que c'est pas possible. Donc, faire un petit masque purifiant, je pense. Faire un petit gommage à un masque.
Je vous emmène avec moi dans la salle de bain. Pour le gommage, j'utilise toujours de la poudre enzymatique. J'ai celle de, dans la douche là, que j'utilise tout le temps, mais j'ai envie d'essayer pour ne pas être pas très droit. Celle de Dermalogica, qui est vraiment très bien. Je l'avais déjà testée plusieurs fois et j'adore. Poudre, en fait, tu la mélanges avec de l'eau. Moi, je j'humidifie mes doigts, je trempe mes doigts là-dedans et ensuite je fais le petit massage, le petit gommage. Et ça nettoie et ça t'enlève tous tes peaux mortes. Au moins un gommage par semaine avec ce genre de produit. Pas des gros grains, ça agresse beaucoup trop la peau, je trouve, pour vraiment enlever toutes les cellules mortes que l'on ne voit pas. Donc je vais faire ça et ensuite je vais faire un petit masque purifiant. Purifiant comme ça, après je me rincerai ça sous la douche. Et du coup, pour le masque, je vais mettre celui-ci. Je vous en parle tout le temps, hein, c'est l'absolution, c'est une pépite. Donc je pense que je vais le finir dans une prochaine utilisation, parce que là, en plus ils sont super bons, enfin ils sont vraiment le propre. Même si vous n'avez pas forcément de boutons, ce genre de choses, c'est très important aussi de pas purifier sa peau. Moi c'est vrai que j'habite à Paris, la pollution, bon, on en a vraiment beaucoup trop, enfin vu l'état de nos fenêtres et de notre respiration, puis on a beaucoup trop de pollution, donc notre peau absorbe aussi hein, ça. Donc il faut la purifier aussi. Je pense que vous devriez aussi faire un masque là actuellement. Enfin, vous reposer un petit peu, être chill et prendre soin de vous, c'est très important. Donc on va attendre et puis ben, après j'irai me laver les cheveux, changer de pyjama, etc, etc. Faire un petit reset de ma personne. Qui est l'espaté? Oui. Dès que Prince gueule, Héros il gueule. Le prince il veut de la pâté. Tu veux de la pâté, mon cœur? Oui? Oh, mon doux enfant. Thomas, ça va être de la pâté. Oui, oui, chérie, on va aller chercher de la pâté. Non, parce que je viens seulement de sortir de la douche. J'ai mis mon petit ensemble Primark avec le short. Oui, on a compris. Allez, on va chercher la pâté. Je sais que j'ai renfloué les croquettes, mais... La pâté... Ah si, j'en reste. Ça, c'est la pâté du coup qui vient de chez Lidl. Donc il y a quand même 65% de viande. T'en as beaucoup quand même. Hein. Je pense que de toute façon, il va les bouffer avec toi après, mais... Voilà. Bon, j'ai tellement faim que j'ai envie de tester un truc. C'est pain au lait, Nutella et du lait. Je vais essayer de tremper dedans et manger parce que j'ai trop faim. Je vois que des recettes sur TikTok de sucré, là je peux plus. Du coup je vais espérer pouvoir manger. Déjà je vais en faire un. Si j'arrive à en manger un, c'est un exploit. Mais j'ai besoin de gras, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de quelque chose là. Bon voilà, la petite tasse de lait et ensuite les fameuses tartines. Du coup pour le soir, je prends mon médicament à 22h, donc c'est la codéine pour pas avoir mal. Et je reprends mon médicament bah, quand j'ai mal la nuit, donc je me réveille vers 5h. Donc je prends un verre avec moi. J'éteins les petites lumières. Ensuite, du coup, voici ma tête de chevet. J'ai du PQ parce que au tout début, je crachais beaucoup de salive avec du sang. Du coup, bah, j'avais du PQ pour pouvoir prendre tout ça, quoi. Mes boules caisses, très importantes parce que j'ai besoin de dormir et que avec ça que je m'endors bien. Ma codéine, donc, qui est juste à côté. Une bouteille d'eau pour boire et aussi pour mettre ma codéine durant la nuit, comme ça j'ai pas besoin de me lever et tout est bon, tout est là. Écoutez, voilà pour ma tête de chevet. Et ça c'est mon truc, mon masque, qu'il faut que je chauffe en fait au micro-ondes. Mais vous voyez, ça a brûlé ici. Donc c'est pour mes yeux, pour mon petit haricot. Parce que je sais pas si vous le verrez, mais en fait avant j'avais un orgelet. En fait j'ai eu des problèmes au niveau des yeux depuis que je suis revenue de Croatie, parce que l'eau de mer était vraiment pas terrible. Quand j'ai fait beaucoup de plongées, et ben j'ai vu que l'eau était vraiment pas ouf. Donc je pense que c'est ça qui m'a causé beaucoup d'orgelets, etc. Et du coup, j'avais beaucoup d'orgelets à chaque œil, à chaque fois. Et j'ai eu un énorme chalazion et orgelet sur la paupière mobile. Et ça a duré un mois. Genre vraiment un gros mois où c'était enflé, etc. Donc je suis allée chez l'ophtalmo, etc. Et rien. Je sais pas, depuis l'anesthésie, bah, ma petite boule qui restait, parce qu'il y avait encore une boule depuis, et ben elle a vraiment diminué. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça a vachement diminué. Donc j'utilise un peu moins le masque qui m'a coûté 35 balles. Je préfère le préciser. Et les chachas, ils sont là. Donc là, je vais regarder la télé, je vais me reposer. Et souvent, je m'endors vers 23h, donc d'ici 40 minutes. Donc ce matin, on va tester un nouveau petit-déj, des princes trempés dans du lait. Parce que généralement, c'est assez mou. Donc je pense que ça peut être possible. J'ai super mal au côté gauche. Genre, j'ai regardé un petit peu et en fait c'est très rouge,
Donc j'espère que ça va. Mais ça fait très mal. Avant ça faisait mal au côté droit. Là maintenant c'est le côté gauche. Alors, je viens de lancer un lave-vaisselle et aussi une machine à laver. Comme ça j'ai nettoyé les serviettes, le plaid, puisque Prince a fait des petites bêtises sur le plaid. Moi je me suis habillée vraiment en mode comfy pour aller faire les magasins pour partir un petit peu une heure. Bah let's go. Et j'ai aussi changé mon collier. Vu que je l'avais retiré pour l'opération, bah là j'ai changé de collier, j'ai pris un petit collier avec des perles. Il est vraiment trop joli. Donc j'ai mis le linge à sécher, bon il n'y a pas grand chose, hein, des petites serviettes et mes culottes menstruelles. Mais au moins ça c'est fait. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Primark, Cultura et H&M. Alors je suis allée à Geox, j'ai vu des belles chaussures. Qu'est-ce que t'as mon cœur? Sauf qu'en fait le monsieur il arrêtait pas de me parler et j'arrivais pas à parler. Du coup j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Mais il y avait de belles choses sauf que ça coûte quand même assez cher Geox. C'est autour de 200€ la paire, donc c'est un budget quand même assez conséquent. Donc je voulais m'acheter soit des bottines, soit des bottes, donc je savais pas trop, mais sans talon. Qu'est-ce que t'as mon cœur, mon bébé chat. Donc je les ai pas essayées, donc en fait j'arrivais plus, je commençais à être un peu fatiguée. Et ensuite je suis allée à Deichmann, j'ai essayé des chaussures et ça n'allait pas. Enfin, il y a que chez Geox que ça me va, parce que mon pied il est fin, il est adapté à ce genre de chaussures en fait qu'ils proposent, que soit c'est Geox, soit c'est des chaussures de merde où après j'ai mal au dos avec où je mets plein de semelles et tout, enfin bon c'est un peu pas terrible. Et j'ai pas trouvé les pulls que je cherchais, j'ai pas trouvé de pulls tout court. Je pense qu'il fait encore assez chaud pour avant de mettre cette collection, donc je pense qu'ils vont pas mise. Il y a pas de décoration automnale et tout, il y avait vraiment pas grand chose pour la période. Donc j'ai pris ça à Cultura, c'est Donald, voilà, c'est un petit de chez Donald. Donc j'ai pris ça, peut-être que je vais le lire aujourd'hui au balcon, ça me fait du bien. Et j'adore en fait parce que c'est du papier assez vieux, j'adore ça, ça sent trop bon. Donc, à Primark, alors j'ai trouvé de belles choses, enfin de belles choses. J'ai déjà testé un pull qui me faisait de l'œil et heureusement que je l'ai testé parce que j'ai pas du tout aimé. C'est vrai que quand on va dans les magasins genre Mango, H&M, etc, on voit vraiment la... et même Zara, j'étais extrêmement choquée de Zara. La qualité qu'ils proposaient par rapport à Primark, un manteau, tu rajoutes 10€ et t'as une qualité beaucoup plus supérieure. Et du coup, à Primark, j'ai trouvé ces chaussettes-là. Alors que moi, j'ai très froid aux pieds l'hiver, donc j'ai trouvé des chaussettes thermales. Donc à l'intérieur, c'est vraiment chaud. C'est très épais aussi. Donc ça, c'est bien si vous mettez des bottes et que c'est un peu trop large pour vous. Je pense que ça peut être pas mal. Donc il n'y en a que 2 et c'était 4€. Donc j'ai pris en crème et en gris et j'ai pris 2 en noir. Et là ça me faisait de l'œil vraiment, j'arrivais pas à tourner dans le magasin, je savais pas si je le prenais ou pas. Mais j'adore, je trouve ça magnifique. Trop hâte de le laver pour le porter du coup. Mais c'est un petit manteau, comme ceci. Enfin vous savez, une petite veste de nuit en pilou pilou avec des roses. J'ai trouvé vraiment magnifique avec une petite capuche. Donc moi j'en ai des trucs comme ça, j'en ai un peu comfy. Qui est pas enfin il est chaud mais pas pilou pilou. J'en ai un autre en satin et du coup j'avais envie d'en avoir un en pilou pilou un peu plus
femme parce que j'ai des trucs pilou pilou, mais genre licorne et tout. Et bon, je vais avoir 27 ans bientôt. Je sais plus trop dans ma DA. J'allais du coup à H&M chercher des petits pulls. J'ai pas trouvé, donc tant pis. Mais j'ai trouvé ce super jean bleu. Et celui-ci, je suis trop contente parce que je pourrais le mettre au travail. Donc très contente, au moins je pourrais mettre de temps en temps des jeans. Et j'ai fait exprès de mettre une culotte aujourd'hui pour voir si on voyait la marque. Et on voit pas la marque. Donc quand j'ai mes règles et que je mets des culottes menstruelles, bah, j'aime pas mettre des pantalons de costume. Je trouve ça pas beau, en plus on voit. Et donc je mets souvent des pantalons fluides avec le tissu un peu cargo. Et du coup là, avec ce jean, on voit rien du tout. Donc c'était plutôt pas mal. J'ai pris en taille 38. C'est sympa, j'aime bien. C'est cette référence là si vous cherchez. Et je voulais montrer à porter. Mais vraiment très joli. Et ensuite à Yves Rocher, j'ai du coup acheté mes 200 shampoings solides. Donc ça, il est vraiment bien. Donc ça, un indispensable. C'était 8,50€ l'unité et du coup j'ai en acheté un offert. Et j'ai eu ça aussi, un petit mascara en cadeau. Et en fait à chaque fois que je vais dans les magasins, ça je vous le répète assez souvent, mais c'est super important si vous faire des économies. Je vais sur eBayClub, je me crée des bons d'achat. Donc ça permet d'avoir du cashback directement sur votre canette, en juste en générant un bon d'achat. Et après vous payez avec. Donc moi je crois qu'avec ces achats là j'ai gagné 3€. En fait 3€ plus 3€, bah à la fin de l'année vous avez quand même un sacré pactole. Ça marche aussi à Carrefour, ça marche à Leclerc, ça marche à Auchan, donc si vous faites les courses je pense, donc vous pouvez payer avec des bons d'achat les courses, donc c'est plutôt avantageux, n'hésitez pas à regarder. Je voulais aller à l'Action après mais j'avais vraiment trop mal, là j'ai vraiment mal, donc je vais arrêter de parler et je vais essayer de me faire à manger. Donc là il est 14h47. Ah putain c'est bon. Et je pense que je vais faire un petit peu de peinture. C'est des peintures avec des numéros que j'achète sur Shein. Donc il y a la peinture derrière. Donc je vais faire ça dans le canapé. J'espère que je vais pas en foutre partout. Et en fond, je mets Miss Marple. Je suis en train de peindre et en fait il y a le livreur qui est arrivé et du coup j'ai reçu mon dessous de plat de chez The Braderie. J'ai pris la taille la plus grande et je pensais pas que c'était aussi petit. Enfin pour moi un dessous de plat ça fait pas la taille d'une main, donc bon écoutez ça ferait un petit dessous de plat mais vraiment très léger, donc un peu déçu pour le prix surtout. Mais bon, il est très joli, en plus il est pas arrivé cassé, il était même pas emballé. Il est quasiment 18h et j'ai enfin fini ma petite peinture. Donc à chaque fois j'essaye d'arranger un petit peu la peinture parce que des fois c'est un peu bizarre, mais genre par exemple là petite fleur qui est là, même les couleurs des montagnes c'est un peu bizarre, mais bon ça fait toujours l'affaire hein. Ça m'a pris 2 heures je crois pour faire ça. Très contente, ça m'a fait du bien, c'est assez reposant et tout, avec Miss Marple en fond, franchement j'adore. Ah, la principauté, il se réveille pour la pâtée. Oh là là, c'est dur. Oh là là. Du coup je l'ai mis là pour que ça fasse un peu plus de déco. Bon, pas vraiment, mais ça va, ça fait joli. J'ai reçu mon vernis. Regardez l'enveloppe. Ça, c'est drôle. Trop beau. J'ai vraiment beaucoup de mal à parler. À l'intérieur, ça fait super mal, mais il faut que j'appelle l'hôpital. Parce qu'ils m'ont pas envoyé les factures et j'aimerais bien me faire rembourser quand même une partie des frais. Quand je parle comme ça, ça va, j'ai pas trop mal. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que la semaine dernière je me suis fait opérer et on m'avait dit qu'on enverrait la facture de l'admission par mail et j'ai toujours pas reçu. J'ai la facture par mail et je l'ai toujours pas reçu depuis, donc je voulais savoir où ça en était. Ah oui, bah c'est quelqu'un de l'accueil qui m'a transféré chez vous, du coup. D'accord, ne quittez pas. Merci. Oui. Oui, excusez-moi, la personne est pas là. Donc, est-ce que c'est possible pour vous de rappeler un peu plus tard, vers 14h, c'est possible? Ok, super, merci beaucoup. Vous mettre en relation avec un praticien ou un service. Qui souhaitez-vous joindre pour la comptabilité honoraire? Tapez 3. Alors, je pensais vraiment pas avoir super mal. Là. Donc j'essaie d'appuyer pour pas que ça bouge à l'intérieur quand je parle, mais bon, c'est compliqué. Ah, quand je chuchote, ça va. On va faire de l'ASMR. Je vais préparer mes vidéos parce que j'ai des vidéos face cam à faire bientôt. Et il faut que je rédige un petit peu les idées que je veux dire et essayer de voir un petit peu ce que j'aimerais faire pour le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. Ça, vraiment, c'est trop bien.
Qu'un praticien ou un service. Qui souhaitez-vous joindre ? L'accueil. Je n'ai pas bien compris votre demande. Il n'y a personne qui peut me répondre, donc à chaque fois c'est marqué que c'est occupé, donc ça accroche directement. Mais du coup, j'ai reçu mes petits colis. J'ai reçu Ongle 24 et le restant de mon colis The Braderie. Alors quand je parle comme ça, ça va beaucoup mieux. Donc j'espère que ça vous va, cette petite voix un peu bizarre. Quick finish, donc c'est le top coat en gros. Là c'est pour la construction. Là c'est le vernis Adèle. Oh là là. Le builder aussi vanilla, ils sont vraiment trop beaux. Les draps de la marque Anne de Solène, c'est une très bonne marque de draps. Un drap housse et un drap pour mon traversin. Voilà. Là, il faut que je me motive à faire quelque chose. Du coup, je vais essayer d'enlever donc, toutes les plantes mortes, les tomates, le basilic, la menthe, nettoyer le sol, arroser aussi les plantes, couper les plantes, genre le framboisier et le mirabellier, je crois, pour l'hiver prochain. Donc, on va tout nettoyer. Donc là, j'ai pu bien frotter partout parce qu'il y avait des petites crottes de pigeons. Je vais ranger tout ça après le temps que ça sèche. Je vais ramasser les petites graines qui restent. Et puis, on va replanter le basilic. Donc, j'ai préparé les petits pots. Donc, c'est celui-là, le basilic. J'ai envie de le rempoter et le mettre dans la maison. J'ai mis ça comme ça. Pour l'instant, ça me va. Écoutez, j'ai enlevé le lilo, comme ça c'est fait. J'ai mis une petite plante sur le dessous de plat. C'est très mignon. Et j'attends toujours que le balcon il sèche un peu pour pouvoir remettre tous les meubles de jardin. Je viens de me laver, ça y est, c'est fait, j'ai nettoyé le balcon, je suis très contente. Moi, tout est propre et toutes les plantes mortes sont à la poubelle. J'ai fait mon petit repas du soir, donc c'est un liégeois, une compote, du kiri aussi, c'est très très bon. Vers 22h, je pense que je vais prendre une petite soupe parce que sinon, j'ai trop faim la nuit, genre mon ventre, il gargouille de ouf. Je sais pas si vous allez m'entendre avec la machine à laver. Bon, du coup, mon copain, il a réussi à choper le dernier métro, donc je suis trop contente, il va pouvoir arriver d'ici 30 minutes. Donc là, je suis en train de faire ma miniature pour le weekly vlog de l'opération. Donc ce que vous avez vu la semaine dernière, n'hésitez pas à les checker. Donc j'essaye de m'avancer quand il n'y a pas mon copain. Comme ça, le week-end, on peut profiter vraiment ensemble à 100% sans forcément que j'ai beaucoup de montage et beaucoup de miniatures à faire. C'est toujours mal, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que le médecin va me dire demain. Mais c'est vraiment dans le fond de la gorge que ça me fait mal. J'ai réussi à manger un fruit, ça m'a fait vraiment du bien. Il y a mon chacha ici, Prince est en train de manger. Puis bah j'attends mon copain et puis bah je vous retrouve demain. Donc là on va aller à Action pour pouvoir acheter mes 2-3 petites choses qui me manquaient. Donc bah c'est parti. On met ça dans la chambre pour faire peur aux animaux. Regarde les ballons. Parce que donc
Donc on est passé à Action et Ikea. J'ai repris une calanchoée pour le balcon. J'adore les calanchoées, je trouve ça très beau. En plus ça fleurit plusieurs fois, enfin c'est vivace donc ça dure. Donc pouvoir mettre sur le petit balcon. Et ensuite à Action, j'ai fait une razzia de masques. Parce qu'à chaque fois il n'y en a pas, enfin j'en trouve jamais. Donc là c'était l'occasion, il n'y avait personne. Donc j'ai pris des foot masques. Parce que mon copain on fait souvent des skincare le soir quand on est ensemble. On fait souvent des dimanches McDo skincare. Ensuite j'ai pris ça, ça fait très longtemps que j'en ai pas trouvé. Under eyes pad, des trucs qu'on met en dessous des yeux pour hydrater les yeux. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, donc peut-être que je le mette au frigo ça. Au niveau des masques visage, ceux que j'aime beaucoup, c'est les gold masks, c'est ceux-là. Ils sont très bien, enfin vraiment très très bien. En plus ils se mettent bien sur le visage vu que c'est en deux parties. Les masques au charbon pour purifier. Ils sont vraiment très très bien. J'ai pris une recharge pour le diffuseur de l'entrée. Des petits sacs poubelles pour la litière de prince. J'ai pris ça, c'est au savon noir. Et en fait c'est bien pour les moucherons. Vous mettez ça dans de l'eau. Normalement les moucherons sont attirés et tombent dedans. Et moi j'avais beaucoup de moucherons. Je suis trop contente parce que j'ai pu prendre des petites cacahuètes comme ça pour les oiseaux parce qu'ils adorent ça. J'ai pris ça, c'est une petite maison qu'on colle en fait au niveau de la vitre. Et comme ça on peut voir les oiseaux manger. Moi j'adore ça, je suis très très fan. Je vais installer ça aujourd'hui, mais trop contente. Donc j'en ai pris que un pour voir si ça marchait. Je suis aussi venue pour ça, c'était pour mettre ça dans le congèle. Pour quand j'ai des fruits qui sont un peu bientôt périmés, genre les bananes, bah, j'ai envie de les congeler pour faire mes smoothies. Oui. C'est un peu grand, mais il n'y avait que ça en taille. C'est l'heure du béril. Donc voilà. Ah oui, j'ai aussi acheté un fouet parce que le mien s'est craqué, celui d'Action. C'est exactement le même. Et ça, j'en avais pas. Et quand j'ai nettoyé mon balcon, ça m'aurait été vraiment utile. C'est pour faire les joints au niveau des fenêtres. Et moi, j'ai essayé de faire avec ma brosse, j'ai pas réussi. Mais il faut si c'est pas bois. Mais bois. Voilà pour le retour de course de Action et de Ikea. Du coup mon ORL à 16h45 pour qu'il voit un petit peu l'état du carnage dans ma gorge. Du coup je l'ai mis ici tout en haut pour pas trop les déranger non plus, mais c'est trop mignon. Et j'ai mis une petite calanchoée juste là. Trop chou. Et les loulous. Ça fait du bien d'avoir un petit balcon bien propre et bien rangé. J'ai retrouvé le chargeur pour mon petit karcher, donc c'est pour aspirer l'eau quand on nettoie les vitres. Donc il serait temps de faire les vitres parce que là c'est plus possible. Je sais pas si vous verrez la crasse, mais à l'extérieur comme il y a beaucoup de travaux et la pollution de Paris, et ben du coup mes vitres sont quasiment opaques. Je sais pas si vous verrez une différence, mais vraiment, moi je la vois. Il y a encore beaucoup de traces, mais je peux pas faire plus. C'est trop incrusté et je suis trop petite pour atteindre ça. Mais très contente. J'ai fait aussi les portes-fenêtres ici. Après, on a le réservoir qui est juste là. Il est cassé, donc c'est un peu galère. Des fois, il s'en va. Vraiment, il se vide. Il se vide un peu mieux, mais il est cassé, donc je peux pas le retirer. On va découper les bananes et les mettre dans le petit tupperware. Oula. Oh non, il est cassé. Oh. Il y avait une connerie de Patrick, c'était ça, pour couper les bananes de manière beaucoup plus simple. C'est une chose que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est détartrer la fontaine à eau de mes loulous. Je la détarte tous les mois. Vous pouvez voir que la qualité de l'eau est vraiment pas terrible. Vinaigre blanc plus eau bouillante et je vais laisser tremper genre toute la journée je pense pour que ça soit bien décrassé. Regardez-moi cette fontaine, toute clean, toute propre, trop trop bien. Et toi tu bois, comment tu bois toi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Du coup 16h12, donc je vais bientôt me préparer pour aller
chez le docteur. Donc là, j'arrive un petit peu mieux à parler, ça va. Ce matin, j'avais vraiment encore mal. Enfin, j'ai encore très très mal à gauche. Donc j'ai hâte qu'il voit si tout va bien. Je vais y aller. Et puis, bah, on se retrouve juste après. Alors, je reviens du coup de l'ORL. Donc ça s'est bien passé, c'était assez rapide. Hein. Il est très, très speed. Donc il a vérifié tout allait bien. Il m'a montré aussi mes amygdales. Ça m'a dégoûtée. Enfin, j'avais la fois en photo les amygdales. Enfin, il m'a un peu plus détaillé. Putain, c'est comme mon mot de passe. Ça m'énerve parce que dès que je travaille plus, je sais plus mes mots de passe. Et du coup, il nous a montré, il m'a dit qu'il y avait énormément de pus. Qui était dû du coup aux angines à répétition que j'ai faites. Donc si vous faites aussi beaucoup d'angines tout l'hiver, si vous êtes vraiment malade, pas forcément que les angines blanches mais aussi les angines normales, allez voir un ORL pour vous faire opérer, hein, je vous jure. C'était plein de pus, genre dans ma gorge j'avais du pus. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité. En fait il m'a mis sous antibio parce que il y avait du pus, sinon je crois pas qu'il y aurait d'antibio. Donc j'ai encore un peu de mal à parler mais ça va beaucoup mieux que depuis ce matin. Donc il m'a juste donné de la codéine et un arrêt de travail, enfin une prolongation d'arrêt de travail, puisque c'est 2 semaines pour des amygdales, c'est 2 semaines à chaque fois. Moi je pourrais pas mettre en arrêt plus parce que c'est pas possible au niveau de mes équipes. Là ça va avec mon chef, on est vraiment un binôme, donc j'arrive à faire ce qu'il fait quand il est pas là, il arrive à faire ce que je fais quand je suis pas là, donc on arrive vraiment à se coordonner. J'ai posé des jours de révision la première semaine d'octobre parce que j'ai ma soutenance. Donc il faut que je prépare, donc ça va faire 3 semaines en gros que je serai pas là. C'est un peu compliqué, donc je vais regarder mes mails, je sais pas, j'ai mon ordi en face de moi, je vais envoyer les documents en même temps. Et je me posais la question de combien ça m'avait coûté, parce que c'est vrai que ce genre de choses, enfin moi je sais jamais combien ça coûte ce genre, enfin ça. Surtout que mon ORL c'est conventionné secteur 2, donc plus cher. La première consultation que j'ai eue avec lui, donc pour établir tout ça et avoir les rendez-vous, je crois que j'avais payé 80 euros. J'étais remboursée à moitié dans mes souvenirs, par ma mutuelle et ma sécu. Ensuite, j'ai payé 60 euros de consultation anesthésiste. En fait, c'est l'anesthésiste qui coûte le plus cher, je trouve. Donc 60 euros de consultation anesthésiste, j'ai été remboursée de la moitié. Donc j'ai payé 30 euros, donc ça fait 70. Et après, j'ai payé 150 euros d'anesthésiste. Donc j'ai envoyé un mail à ma mutuelle pour savoir si elle remboursait. Mais en gros, ça vous fait un peu plus de 200 euros l'opération. Je n'ai rien payé à mon ORL. Pourtant, il est conventionné secteur 2. Il n'a pas... je sais plus comment on appelle ça. J'avais peur de ça, de payer 500 balles, je vous jure, vraiment. Mais bon, il fallait faire quand même. Donc, bref, j'ai envoyé tous mes petits papiers. Et puis, bah, je vous retrouve juste après. Mon copain est parti boire un verre avec ses copains. Il m'a amené en voiture. Enfin, il m'a tout amené, puisque moi, je me sens très faible. Bah, je n'ai pas d'énergie. Donc, c'est extrêmement chiant. J'étais en train de regarder mes mails. Et d'un seul coup, mon ordi s'est totalement éteint, il n'y avait plus de batterie. Du coup, j'ai envoyé mon arrêt, mais il faut que je fasse 2-3 petites demandes. Donc il a fallu que je rallume mon ordi, sauf que pour rallumer mon ordi, je vous jure, c'est extrêmement long. La partie fonctionnelle, je peux la faire chez moi, mais la partie technique, pure technique, je peux pas la faire. C'est trop compliqué, c'est trop long. Ça, on est vendredi, il est 17h41. Je crois que je vais bosser un petit peu, du coup. Moi, je sais pas comment les gens font quand ils sont en arrêt de travail, de pas penser au travail, genre... Et du coup, bah, j'essaye de, quand je suis pas là, que tout mon travail soit fait pour la durée dans laquelle je vais être en arrêt. C'est un arrêt qui est prévu, bien évidemment. Là, je savais que pendant 2-3 semaines, j'allais pas être là. Donc j'ai fait vraiment un maximum pour que tout soit fait et que tout se déroule bien pendant que je suis pas là. Je regarde mes mails, je vois que tout s'arrange bien. Et pour aider mes chefs, bah, je fais un point de situation, vraiment un gros résumé de ce qui s'est passé cette semaine dans les mails. Et de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. J'ai un travail qui est assez prenant. Mais qui est vraiment bien parce que j'ai une très bonne équipe. Donc ça qui m'anime beaucoup. J'ai un fond d'écran là qui est en train de passer sur mon ordi, c'est magnifique. Et du coup mes sentiments bleus, c'est incroyable. Franchement, j'aurais dû en avoir depuis bien longtemps. J'ai d'ailleurs fait l'écriture de mon réel sur le passage à la vie d'adulte. J'ai trop hâte que vous voyez ce réel là, donc pas maintenant parce que j'ai plus de voix. Mais j'ai trop hâte de vous filmer tout ça. Ça va ? J'ai une vraie question. Pour celles et ceux qui sont en télétravail, du coup, moi j'ai un ordi PC simple, vraiment très petit. Mais du coup, comment vous faites pour le télétravail? Est-ce que vous avez d'autres écrans? Parce que moi je pense qu'il me faudra au moins 2 écrans en plus du petit.
parce que c'est vraiment pas terrible au niveau de l'ergonomie. Mais du coup, comment vous faites? Est-ce que vous avez deux écrans? Comment ça se passe? Parce que j'ai jamais fait de TT. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comment vous vous organisez en télétravail? Peut-être que ça fera aussi objet d'une vidéo, genre comment je m'organise en télétravail. Parce que en fait, j'ai pas d'organisation. J'en ai aucune parce que je n'en fais pas. Mais c'est vrai que quand il faut en faire, bah c'est galère de faire sur ça. Vraiment, c'est hyper galère. Surtout qu'on n'a pas des ordi très puissants. Donc bon, j'ai l'impression de parler du nez, c'est horrible. Je déteste ma voix actuellement et je déteste ma tête aussi. J'ai plein de papiers maintenant médicaux qu'il faut que je range. Je pense que je vais m'en occuper la semaine prochaine. Parce que là, je suis pas apte à ranger. Là, je suis assez fatiguée. J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Mais c'est très fatigant, en fait, tout ça. Parce qu'on a tellement pas d'énergie dans le corps que, bah, voilà. Héros a tout dit. Donc, je vais attendre mon copain qui rentre et je vais proposer un McDo. Oh là là, j'ai tellement envie d'un McDo. C'est de bons nuggets, là. Un petit croque McDo. Mais je sais, moi aussi j'ai faim. Mais je pense que je vais aller me laver les cheveux parce que là j'en peux plus. J'en peux plus de ressembler à rien. Et ma petite veste après Mac, elle est trop mignonne. Je l'ai lavée, elle est trop choupie. Et elle tient hyper chaud. Bon, il est environ 21h, mon copain va pas tarder. Il m'a dit qu'il allait ramener McDo. Je suis tellement contente. J'espère que je vais pouvoir manger parce que en soi j'arrive à avaler mais j'arrive pas à mâcher. Donc il faudra que je fasse des tout petits bouts. Et je voulais aussi du coup clôturer ce vlog là ce soir parce que demain je vais garder ma nièce. Que ma soeur elle a besoin de moi pour un truc. Et ensuite on va faire la journée du patrimoine. J'ai pris des places au Quai d'Orsay. Mon père travaillait là-bas avant. Donc je connais par cœur le Quai d'Orsay mais mon copain ne connaissait pas. Mais en espérant ne pas être trop fatiguée parce que dès que je fais une activité, bah je suis fatiguée énormément. Ça fait vraiment du bien d'avoir des cheveux propres parce que les cheveux étaient vraiment très très gras. Dès qu'on va rentrer, on va se faire un petit masque avec les pieds, les mains, etc. La totale. C'est vraiment une petite routine qu'on aime bien se faire. Et aussi, j'en parle très très peu de ça. Ça n'a pas grand intérêt pour vous, mais pour moi, ça me permet de me souvenir de ça. Voilà, pour ma convalescence, je sais que des gens seront là pour moi. Par exemple, ma soeur me dit qu'elle est là pour moi, mon père me dit qu'il est là pour moi, etc. Je vais jamais demander de l'aide. C'est très rare que je demande de l'aide. Si je demande de l'aide, c'est que vraiment, je suis à un point de saturation. Et en fait, avec mon copain, j'ai vraiment eu un pilier. C'est la première fois de ma vie que je l'ai. J'ai eu vraiment un pilier sur quelqu'un sur qui je pouvais me reposer sans forcément demander. Et ça, c'est hyper rare. Et j'étais extrêmement surprise de ressentir ça. Parce que c'est la première fois que je ressens ça. Le fait qu'il aille à l'hôpital, qu'il vienne me voir, qu'il prenne un congé pour venir, qui s'occupe de moi, qui fasse toutes les demandes nécessaires à l'hôpital pour que je me sente au mieux, parce qu'il sait très bien que c'est une période très, enfin c'est un endroit très stressant pour moi. J'ai même pas besoin d'aller lui demander d'aller chercher les médocs à la pharmacie parce qu'il voit juste mon état, il va y aller tout seul. Et en fait c'est des choses qui, moi je les ferais pour la personne que j'aime, mais les gens ne le font pas pour moi de base. Il n'y a pas de retour en fait. Et là pour une fois je l'ai eu et je demandais pas à l'avoir parce que j'ai l'habitude. Donc c'est une habitude, je serais allée à la pharmacie, je serais allée toute seule à l'ORL, je serais allée comme une grande personne. Il me faisait à manger, il me faisait mes soupes, il me préparait mes médicaments dès le matin. C'est du confort. Voilà, c'est du confort. J'ai l'impression d'être enrhumée quand je parle, c'est horrible. Et du coup j'ai eu du confort durant cette convalescence-là. Et je vous la souhaite à tout le monde, même s'il n'était pas là cette semaine. Bah d'un point de vue moral, ça m'a fait du bien. Quand il est là, ça me fait du bien parce que je suis allégée. Vraiment d'un poids, il a fait tout le ménage, il a fait les courses, il a tout fait pour que je me sente au mieux. Dans un environnement propre, ça m'a fait vraiment du bien et je souhaite à tout le monde de ressentir ça, d'avoir vraiment un partenaire qui puisse savoir vos besoins, même sans le dire. Bref, tout ça pour dire ça, mais ça m'a fait vraiment du bien et c'est pour ça que cette convalescence là, ça allait. D'un point de vue post-opération, je trouve que ça va, enfin la douleur c'est supportable. Moi j'avais pas trop peur de la douleur physique, j'avais plus peur de la douleur psychologique parce que je n'aime pas rien faire. Je suis très active, c'est pour ça que j'ai filmé aussi pour faire quelque chose parce que sinon j'allais m'ennuyer et quand je m'ennuie, bah il y a directement les angoisses qui prennent le dessus. Toujours en activité pour pouvoir ne pas m'ennuyer et être angoissée. C'est pour ça que la convalescence s'est bien passée je trouve parce qu'on a fait des activités. Enfin j'espère que ce vlog vous aura plu un petit peu quand même si c'était assez compliqué au début. Mais ça va, c'est juste que maintenant je me sens un peu plus fatiguée donc ce week-end j'ai essayé de me reposer et de reprendre l'alimentation, surtout quand t'as des troubles comme ça, faut vraiment directement attaquer. Pour ça, le McDo ce soir, ça va être un bon truc déjà. Lundi, je vais refilmer parce que j'ai envie de continuer vu que je suis encore en arrêt de travail. Mais il faut que je fasse des choses, donc vous poserez un vlog encore une fois, un weekly vlog, mais un peu plus différent de celui-là pour en faire un peu plus d'activités. Quand on se dit post-opératoire, une semaine derrière, on se dit toujours qu'on va être un légume, que ça
va être horrible, etc. Moi, je l'ai vraiment pas mal vécu, au contraire, ça m'a permis de me reposer, même si le côté alimentation est un peu chiant et que j'ai faim, etc. Sinon, ça va, c'est pas horrible. Parce que quand j'entends l'ORL me dire que les gens ont extrêmement mal pendant un mois, vraiment, ils souffrent le martyr, etc. Au niveau opération, douleur, etc., n'ayez pas peur, de toute façon, c'est seulement vous qui savez si vous avez bien supporté ou pas la douleur. Pour moi, la pire des douleurs que moi j'ai subi, c'était les règles, et ce sera la pire, je pense, parce que rien ne peut surpasser la douleur des règles type endométriose. Donc pour moi, c'est le... En fait, dès que t'as connu ça, tu peux tout vivre. Et je pense aussi que c'est pareil pour vous, vous avez connu une certaine douleur, et du coup, depuis, bah, ça va. J'espère que je m'exprime bien, je sais pas. Quand je m'entends avec ma voix de canard, ça m'énerve. Genre, j'ai une oreille bouchée, j'ai la gorge qui est blanche avec plein de fils dégueulasses. Mais bon, ça va le faire, écoutez. J'ai essayé de repartir de plus belle. En tout cas, ça m'a vraiment motivé les vlogs, ça m'a vraiment motivé d'être avec vous. Même si là, je filme à une caméra, mais... Je sais que vous allez avoir plein de bons retours, plein de retours positifs. Ça me fait toujours énormément de bien de lire vos commentaires. Bah merci en tout cas pour tout le soutien que vous m'avez apporté, surtout pour cette période hospitalisation, opération. On va parler d'autres choses, hein, bien évidemment. On va parler un petit peu plus de mood automnal, etc. De la décoration dans l'appartement. J'ai trop hâte, j'adore cette période, je trouve ça trop trop bien. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est Elisa BRTOF, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est pas fait. Je vous mettrai d'anciennes mises, je vous en bas. Je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.